Bienvenue, chers amis, sur la chaîne Notre Pain Quotidien, où nous explorons les thèmes bibliques les plus pertinents pour notre vie. Tout d'abord, je souhaite vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. Je rends grâce au Seigneur et en toutes choses, et bien sûr à vous pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous encourage vivement à poursuivre cet élan de générosité en partageant cette chaîne avec vos proches afin de leur apporter ces conseils. Aujourd'hui, nous allons explorer les fondamentaux d'un budget annuel réussi en vous révélant ces conseils les plus utiles pour anticiper, économiser et atteindre vos objectifs financiers avec succès. Dans cette vidéo, nous partagerons notre budget, notre expérience, dans le but de vous aider à vous aussi à maîtriser vos dépenses, à anticiper les imprévus et à économiser intelligemment, afin de vous guider vers le chemin de la liberté financière que tout le monde mérite tellement. Préparez-vous à prendre des notes et à mettre en pratique ces conseils qui vous permettront de prendre le contrôle de vos finances, de vous orienter afin d'établir votre propre budget annuel. D'abord, pourquoi établir un budget est si fondamental? Dieu nous rappelle avec le verset 1 Jean 3,18 « Petits enfants, n'aimons pas en parole, et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Ce verset nous enseigne la nécessité d'une foi active et concrète, qui se manifeste à travers des actions et notre comportement quotidien, plutôt que par de simples affirmations verbales. C'est un exemple d'engagement, envers nous-mêmes et envers les autres, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Dieu nous donne la responsabilité de gérer les finances que nous avons aujourd'hui. Si nous respectons fidèlement cette responsabilité avec honnêteté, diligence et sagesse, même dans des tâches considérées comme moins importantes, cela démontre notre fidélité, cela démontre notre fiabilité et notre capacité à être digne de confiance. Ainsi, Dieu nous confiera des responsabilités beaucoup plus importantes et de plus grande valeur, non seulement matérielles, mais aussi spirituelles. Le verset Matthieu 25-21 nous confirme cette importance et dit ce qui suit. « Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. » L'établissement d'un budget annuel solide est bien plus qu'une simple liste de chiffres et de dépenses prévues. C'est une feuille de route stratégique, une carte qui vous guide tout au long de l'année et qui vous guide aussi tout le long de votre vie afin d'atteindre vos aspirations financières. Eh bien, par où commencer? Pour établir un budget, il faut tout d'abord commencer par ces étapes. Se fixer des objectifs financiers et de la vie de tous les jours. Évaluer ses revenus, lister ses dépenses et les analyser. Classer ses dépenses en catégories, planifier votre année selon vos frais. Nous allons maintenant détailler chaque étape, alors prenez note. Première étape, se fixer des objectifs. Définissez des objectifs financiers clairs, comme épargner pour un achat important, rembourser des dettes, constituer un fonds d'urgence, etc. Intégrez ces objectifs dans votre budget. Pour vous fixer des objectifs financiers, je vous oriente sur une de nos vidéos précédentes. Comment se fixer des objectifs et s'y tenir? Maintenant que vous vous êtes fixé des objectifs concrets, passons à l'étape suivante. Deuxième étape, l'évaluation des revenus. Commencez par répertorier tous vos revenus mensuels ou réguliers provenant de sources telles que le salaire, les revenus complémentaires, les allocations ou autres revenus. Si les revenus varient, ou que vous êtes indépendant, essayez d'établir une moyenne réaliste. Troisième étape, listez ces dépenses et les analyser. La meilleure façon pour connaître les dépenses que vous avez et combien vous dépensez sur chaque catégorie est de récupérer vos relevés bancaires de minimum 3 mois en arrière, ainsi que vos tickets de caisse si vous payez en espèces. Notez toutes vos dépenses et les montants associés. Il existe deux types de dépenses. Les dépenses que vous payez tous les mois et qui possèdent un montant identique, et les dépenses variables, lesquelles changent chaque mois. Pour celles-ci, vous ferez une moyenne du montant afin de prévoir ces dépenses. Par exemple, 3 mois de carburant
à 120, 150 ou 183 euros feront une moyenne de 151 euros, qui sera le montant à prévoir sur les prochains mois. Quatrième étape, classez les dépenses en catégories. Analysez vos dépenses et déterminez chaque type de dépense et les catégories correspondantes. Pour les dépenses fixes, par exemple logement, emprunt, loyer, électricité ou gaz, taxes foncières, assurance emprunteur, entretien de la chaudière, abonnement mensuel, internet, téléphone, Netflix, Amazon Prime, Shopify, abonnement à la salle de sport, abonnement au transport et bien d'autres. Assurance, automobile, habitation, santé ou autre. Frais bancaires, la crèche ou la nounou pour les enfants. Mais ce sont que des exemples et vous devrez les adapter à vos besoins et à vos dépenses. Pour les dépenses variables, alimentation, vêtements, santé, équipement de la maison, jardin, réparation de la maison, construction ou décoration, réparation du véhicule et son entretien, carburant, péage, loisirs, animaux, faire des cadeaux, les frais professionnels qui peuvent aussi se placer dans les deux catégories s'ils sont fixes par exemple. Les impôts et les taxes peuvent se placer séparément, cela dépend de la situation si vous effectuez les paiements chaque mois ou quelques mois de l'année en fonction du surplus annuel. Catégorie investissement. Ici vous y placerez vos investissements immobiliers et financiers, assurance vie, crypto-monnaie, ainsi que vos livrets d'épargne et tout autre investissement. Catégorie autre, dans lequel nous avons placé divers, pour toutes les dépenses que nous ne savons pas catégoriser. Cette liste n'est pas exhaustive, vous devrez la personnaliser en fonction de vos types de dépenses, et de vos besoins, et ainsi que de vos objectifs financiers. Planifiez votre année selon vos frais. Maintenant que vous avez récupéré tous vos frais et défini vos catégories, répartir les dépenses mensuelles afin de planifier votre année selon vos frais. Certaines dépenses annuelles peuvent être divisées équitablement, sur 12 mois par exemple, tandis que d'autres, comme les vacances, peuvent nécessiter des économies mensuelles spécifiques pour les mois précédents, le voyage par exemple. 4 astuces pour la planification. 1. N'oubliez pas de prévoir pour les imprévus et les économies. N'oubliez pas d'allouer une partie de votre budget à des économies pour les urgences et les objectifs à long terme. Par exemple, épargner pour la retraite, placer des fonds d'urgence ou préparer des projets futurs. Ces montants devraient être inclus dans vos dépenses annuelles et mensuelles prévues. 2. Comparaison avec les revenus. Après avoir réparti vos dépenses annuelles en dépenses mensuelles, comparez-les à vos revenus mensuels. Assurez-vous que vos revenus ou les fonds de sécurité couvrent toutes les dépenses prévues. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être réduire certaines dépenses ou trouver des moyens d'augmenter vos revenus. Par exemple, on peut réduire les abonnements, Netflix par exemple, ou changer d'opérateur téléphonique. 3. Ajustement et révision. Un budget n'est pas statique. Il est essentiel de le réviser régulièrement. Chaque semaine, chaque mois, pour vous assurer de rester sur la bonne voie. Si nécessaire, apportez des ajustements en fonction des changements dans vos dépenses ou vos revenus au fil du temps. Surveillez vos dépenses mensuelles par rapport à votre budget prévu. Cela vous aidera à détecter rapidement tout écart et à apporter des modifications si nécessaire pour éviter tout déséquilibre financier. Et maintenant, je vais vous présenter notre budget. Je vous présente donc notre budget mensuel et annuel pour cette nouvelle année. Ce budget correspond à notre style de vie actuel. Vous devrez l'adapter en fonction de vos besoins et de vos dépenses et de vos objectifs financiers. Sur la partie haute du tableau, nous y avons placé les mois et une colonne totale annuelle dans laquelle seront stockées la somme des dépenses de tous les mois sur chaque catégorie et sous-catégorie. Sur la partie de gauche se trouvent les catégories revenus, dépenses fixes, dépenses variables, impôts, investissements, prévoyance et autres. Sur la colonne juste à droite de celle-ci se trouvent les sous-catégories concernant les dépenses, les épargnes et divers. Pour les dépenses fixes ou variables, nous avons fixé un montant moyen réparti sur chaque mois. Mais certains frais que nous avons doivent être répartis sur certains mois, mais pas sur d'autres. Comme les assurances, nous avons choisi de les régler une fois par an, afin d'éviter des frais
à une hauteur de 5 à 10%, ce qui n'est pas négligeable du tout. Pensez-vous aussi à ce genre de règlement qui peut vous faire économiser quelques euros. Alors, pour les mois de février et novembre, nous avons décidé de mettre en place ce que l'on a appelé le mois de l'économie. Sur ces mois-là, nous essayons de consommer le moins possible dans la catégorie des frais variables. Nous pouvons voir ici, dans le sous-total des dépenses variables de ces mois, 265 euros et 275 euros sur ces mois-là, contre 400 euros minimum sur les autres mois. Vous pouvez vous aussi mettre en place de la même manière que le jeûne physique, un jeûne financier qui peut vous apporter confiance, maîtrise de soi et de ses finances. Pour la partie fonds de prévoyance, cette catégorie correspond aux projets que nous avons, tels que les vacances annuelles, des formations ou l'amélioration de notre bureau ou nos équipements informatiques. Pensez également à ces fonds de prévoyance si vous aussi vous souhaitez mettre de côté pour un projet spécifique qui vous tient à cœur. Vous pouvez trouver gratuitement et dans la description notre budget que vous pouvez personnaliser comme bon vous semble. N'hésitez pas à y mettre de la couleur ou adapter le format afin qu'il vous corresponde le mieux. Le visuel est important pour qu'il soit attrayant et donne envie de le remplir ou de le consulter quotidiennement. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour construire votre budget afin de planifier votre année et parvenir à atteindre vos objectifs financiers tout en gardant confiance en Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis persuadé que si vous étudiez et pratiquez ces conseils comme le pain dans votre quotidien, ces conseils vous apporteront les fruits en abondance. Je vous invite à partager en commentaire vos astuces ou suggestions pour établir un meilleur budget afin d'aider la communauté à grandir et à apprendre ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime afin de soutenir la chaîne. Merci à vous et à très vite.